Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là on est sur Supermarket Simulator, on est sur la vidéo numéro 21 et on va continuer à améliorer notre stockage. Donc ici on a quelques objets qui ont été vendus, des bouteilles d'eau et tout, il y a encore des étiquettes, oui. Donc là on va regarder au niveau du stockage, vous voyez qu'on a quand même pas mal d'étagères et j'ai pas mal de cartons au sol, il va falloir que je continue à... pour réapprovisionner bien sûr en même temps et aussi continuer à améliorer ce petit stockage. Donc là ce que je vais faire, je vais regarder. Alors les derniers produits qu'on est censé mettre ici, c'est... Alors les lasagnes, ils ont été vendus pas. Non, les lasagnes elles sont là, donc ceux-là ils n'ont rien à faire. Mais là j'ai été jusqu'à là, l'étagère qui est ici. Donc là c'est cette étagère là. Donc là il va falloir que je remette cette étagère ici. À savoir que le papier toilette, j'ai pas besoin de le remettre, donc il faudra les Kellogg's, le lave-main et tout, tout ce qu'il y a ici, donc pareil c'est le papier toilette, et après on passera sur ces étagères-là. Une fois qu'on aura terminé ces deux étagères-là, on essaiera d'entamer tout ce qui est frigo. Donc je pense que pour le moment, on va prendre ce carton-là, on va le mettre ici à l'extérieur. Pourquoi? Comme ça on va continuer à les faire petit à petit, on va avancer, hop, hein, hop. Sinon je pourrais pas poser les étagères, ça va me gêner. Le but c'est d'essayer d'acheter à peu près 1000 euros, 1200 € d'étagères, on va dire je crois que c'est 200, donc on va faire 5 étagères déjà et après on verra bien. Donc là pour le moment je pose tout, je vais voir ce que je peux faire, comment positionner tout ça, savoir qu'il y a des trucs que je peux remettre directement sur l'étagère maintenant et d'autres non. Par exemple ça je pourrais le mettre directement, le produit pour laver les mains je pourrais le mettre directement. Ça, je peux le mettre directement. Alors normalement, si on met les bons produits au bon endroit, le stocker va commencer à faire un travail. Donc là, c'est bon. Là, hop, ici. Et toi, ici. Voilà. Alors par exemple, ça c'est quoi? C'est de la pâte à tartiner, je sais plus. C'est quoi? Ouais, pour moi, c'est de la pâte à tartiner. J'en avais déjà ici. Elle est là-bas en haut. Pâte à tartiner, je l'ai là. Ici les biscuits rouges, il me semblait que j'en avais mis ou pas encore. Ils sont là. Alors je sais plus si c'est où. Alors là c'est le lait. Là c'est là et donc c'est ça. C'est bon, je me trompe pas. Il faut vraiment que c'est en dessous d'étiquette. Ça pareil. Est-ce que je l'ai mis? Non, pas encore. Si, si c'est là. C'est le même. Ouais. Okay. Et le reste on verra bien. Donc là maintenant on va aller sur le PC et on va acheter à peu près 5 étagères. Donc on va aller dans marché, fourniture, et là on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 1000 euros. Voilà, c'est parti. On va acheter pour 1000 euros d'étagères, attention que ça ne tombe pas sur la tête. Voilà, on va les poser. Alors, on va regarder si on arrivera à les poser ici. Est-ce que réellement, non, on ne pourra pas les poser là. Ça m'embête par contre. J'aurais bien aimé pouvoir les poser un peu plus. Vraiment, il manque beaucoup. Ouais, il me manque vraiment beaucoup. Écoutez, on va déjà faire ça ici. On va se mettre au fond. Hop, comme ça, une étagère. Deuxième. Troisième. Donc déjà là, on a les trois étagères. On verra comment on va s'organiser et on va voir tous les cartons qu'on va pouvoir mettre. Donc là, par exemple, j'ai besoin des Kellogg's là, du savon et du shampoing. Alors, Kellogg's, savon, shampoing. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter déjà directement un Kellogg's, un savon, un shampoing. Comme ça, je ne vais pas me tromper, on pourra le mettre direct. Donc, savon, un shampoing, un, et les Kellogg's, je crois, ils sont un petit peu. Donc là, c'est pour cette étagère là. Donc là, on sera ici, on va être bon. Donc, on va reprendre à partir du fond. Donc, Kellogg's en bas. Voilà, shampoing à côté, hein, et savon. À savoir que c'est juste pour que ça vous donne l'étagère. Comme ça, vous avez l'étiquette. Comme ça, moi, à faire à mesure que je passe, je sais comment je peux faire. Et là, c'était quoi? Là, il me manque pomme de terre, sucre. Pomme de terre et sucre. Donc, on va regarder. On va prendre le sucre. Alors, le sucre, c'est du sucre simple. Et pommes de terre. Alors, le sucre, je crois, il est un peu plus haut. Là, sucre.
et pommes de terre. Voilà. Donc là, on est déjà sur ces deux-là. Hop. Au moins, on sait que ça sera bon. Donc les pommes de terre, je vais les mettre ici. Tiens, voilà. Et le sucre, je vais le mettre ici. À savoir que les pommes de terre, il va peut-être falloir en acheter plusieurs. Donc là, on a pommes de terre, sucre. Donc là, on est bon pour au moins ce rangement-là. Donc là, on va reprendre ici. On va faire les pâtes, la farine rouge. Ça, je l'ai mis. Donc ça, je les ai mis par contre. Le riz, non? Oh, pardon. J'avais mis tout à l'heure du riz là. Ah non, bah, il est là. Farine, pâte, huile d'olive. Donc c'est bon, c'est déjà fait. Cette étagère-là, elle est déjà faite. Je crois que c'est celle-ci que j'ai pas fait. Voilà. Et celle-ci. Donc là, on va faire les pâtes là. Ça. Et tout en bas, c'était quoi? Ouais. Donc on a le sucre. Ça. Ok, d'accord. Donc là, on va les voir. Pendant ce temps-là, lui, il me fait mon stock. Donc là, on va regarder. On a déjà ça. Il m'en faut un. On a ça, il m'en faut un. Le sucre, il m'en faut un. Et le thé, comme ça, il m'en faut un. Voilà. Oh. Au moins, on sait que c'est bon. Donc, on va le poser sur la même étagère. Donc, là, on a là. Donc, là, ça fait là. Ça va là. Ça et ça. Ça et ça. Ça et ça. Ça et ça. Là. Voilà. Et là, je peux encore en mettre deux en haut. Donc, on pourrait mettre le sucre ici. Ici. Au-dessus. Voilà. Donc, là, on est bon. Maintenant, on va repartir sur deux en bas. On va mettre cette étagère-là, voilà. Et ça, ici. Let's go. Voilà, donc là, on est à peu près. Maintenant, on va regarder, il me faut les trois sauces. Les trois sauces sur le coup, hop. Donc là, on va faire les trois sauces qui seraient tout en bas. Un, deux, trois. Un, hop. On va être sûr et certain déjà que j'aurai les trois. Correct. Alors les trois sauces, on va faire 1. Ouais, je sais pas pourquoi il l'a pris là, mais non. On va faire 1, 2, 3 sauces. Voilà, et là il m'en manque un seul. Le papier toilette, je l'ai déjà mis. Donc là on a trois sauces et le papier toilette, je l'ai déjà mis. Donc normalement, on a quasi tout pour mettre sur les étagères. On a déjà tout. Maintenant on va s'occuper des frigos. Pour pouvoir mettre le stockage au complet. Donc, bah on aura ça déjà. Déjà, on va le faire dans l'ordre. Donc, lui, il va aller là. Hop, voilà. On aura la bouteille d'eau bleue. Et juste. Non, c'était bouteille d'eau bleue, mais c'était les œufs aussi, non? Ouais, bouteille d'eau bleue, il a mis. Bouteille d'eau bleue et les œufs. Ok, donc là, on aura les œufs et la bouteille d'eau bleue. Alors, que je regarde un petit peu plus bas, on est tout en quasi presque tout. Là, la bouteille d'eau bleue, elle est là et les œufs, ils sont là. Ok, on va faire hop, hop. Alors, peut-être des produits qu'on va oublier, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Faudra juste que je le refasse. Donc là, moi, ça va là. Purée, et ça là. J'aurais peut-être plus dû le mettre en dessous. Toi, tu vas là et toi, tu vas là. Voilà. Et toi, t'es l'étiquette, tu t'en vas. Donc là, on est bon. Là, on a fait cette partie ici. Bouteille bleue, non, non, non. Ok, d'accord. Là, on va faire les bouteilles normales, les jus d'orange, les jus de pomme et les yaourts. Alors, bouteille normale, jus d'orange, jus de pomme. Donc, il faut vraiment que je regarde. Parce que, à fur et à mesure, on va faire. Pardon, vous voyez le sucre là, je crois que je l'ai mis quelque part par ici. Il faut juste que je regarde où j'ai mis. Là. Voilà, on va le mettre directement. Là, c'est quoi de ça? Comment chercher après du jus? Donc là, on est sur le jus d'orange. Alors là, on va reprendre l'étagère ici. Donc là, on a le jus d'orange. Et il faut que je trouve le jus de pomme. Donc là, on a le Coca-Cola. Là, c'est du lait. Là, c'est des pâtes. Alors les pâtes là, c'est pareil. Il me semble les avoir déjà mises. Alors il va falloir que je repère au niveau des étagères pour savoir qu'est-ce que j'ai mis, qu'est-ce que j'ai pas mis. Elles sont là. Ouais, c'est ça. Voilà, elles sont là. Le lait, je l'ai pas encore mis. Et ah, le jus de pomme, il est là. Donc là, c'était quoi que j'ai mis moi? Jus d'orange, ok, et jus de pomme, on va mettre la lactose. Voilà. Donc là, c'est bon, on a la bouteille d'eau normale. Ça, c'est celle qui est tout en haut. Là, hein, on va la couper. On va mettre juste ici à côté. Donc là, on a là. Voilà. Et on va. Et les yaourts. C'était ça. Les yaourts, les yaourts, les yaourts, ils n'étaient pas trop trop loin normalement. Quasi dans le début. Là, voilà. Là, hop, hop. Et donc après, moi, bah, j'aurais juste à vérifier mes stocks. Hein.
Voilà, le yaourt, donc on est là. Voilà. Donc là, il a pris les bouteilles d'eau, déjà. Après, bah, je vais essayer d'acheter par plusieurs cartons, on verra bien. Donc là, c'est bon, et il m'en manque deux en haut. Donc pour les deux en haut, on va peut-être pouvoir faire bah, le coca. Les deux coca, donc il me semble que j'ai deux coca différents ici. Et un coca là, et toi tu vas en haut. Et j'avais pas un autre coca qui était là tout à l'heure, un rouge avec plein de Coca-Cola. Non, là non, là l'eau de Javel, non. Bon. Alors l'eau de Javel, il me semblait que j'avais déjà fait un truc quelque part dans les produits. Ah non, l'eau de Javel, je l'avais mis là. Alors, l'eau de Javel, je le laisse là. Pourquoi? Parce que l'eau de Javel doit prendre la place des lasagnes. Le problème, à moins qu'ils ont modifié le bug. Ah oui, ils ont modifié le bug, voilà. C'est bon. Parce que là, il y a un moment, on avait un bug au niveau des lasagnes. Je ne pouvais pas le reposer au sol. C'était rouge. Maintenant, c'est nickel. Donc là, les lasagnes, le cola, donc ça, c'est le même que j'ai posé il y a 2 minutes ou pas? Ouais, il me semble que c'est ça. Voilà. Les lasagnes, on sera après. Ça, on sera bon. Les sauces, donc on avait dit tout à l'heure que j'avais posé les trois sauces ici déjà. Donc là, on a une, deux, trois. Donc là, on a celle-ci. Là, ça, c'est la plus frais. Elle va aller là. Voilà. Et là, la mayonnaise, elle va aller. Bah, ici. Hop, voilà. Au hasard, je dois toujours le mettre sur celui qui est en dessous. Les pommes de terre, bah, pareil. Hein, on avait des pommes de terre tout à l'heure. Il faut vraiment que je me rappelle où j'ai mis. Pas de l'autre côté. Non. Pommes de terre. Je suis sûr de les avoir mis quelque part. Pas ici, pas là. Là. Pommes de terre, voilà. Ça me libère mes pièces en même temps. Ces pâtes-là, c'est pareil, on les avait fait. On les a mis plus long, par ici, quelque part, ici. Hein? Le lait, je ne l'ai pas mis encore. Ça, c'est quoi ça? La viande, je ne l'ai pas mise encore. Les packs de 6 laits, ça, je les ai mis ici. Ça, c'est sûr et certain, je sais. Là, trop plein. Donc, ah, ok, d'accord. Les 12 œufs. Là, les 12 œufs, je les ai mis. Ça doit être ça, je crois. Go, voilà. Après, on a quoi alors? Le bon papa. Là. Hein? Ah, ouais, c'est là. Ah, le comté, je l'ai pas mis encore parce qu'on n'a pas encore cette partie de frigo. Là, le thé, comme ça, je l'ai mis. Et ici, quelque part par là. Ah, les étiquettes, par contre, elles sont un petit peu petites pour, par rapport à comment on va devoir regarder. Là. Merci. Le thon, je ne l'ai pas fait. Ça, je ne l'ai pas fait. Ça, je ne l'ai pas fait. Le Sprite, on aurait pu le mettre avec les coca. Donc là, voilà, justement ici. Donc maintenant, bah, on va essayer de débarrasser. On a encore deux étagères à poser. Deux étagères à poser. Le problème, c'est que les deux étagères, je dois les poser là et j'ai déjà des produits. Donc, on va poser ça là. Hop, toi, il va aller. Il va mettre proprement. Hop, voilà. Hop. Là, j'aurais bien aimé aussi, c'est qu'on puisse les, comme on a dit, les remettre dans les mêmes. Alors, ça, par contre, c'est pareil. J'en ai mis des Kellogg's comme ça devait être ici quelque part. Voilà. Bon. Hein. Ça j'ai pas mis, ça j'ai pas mis. Je pense que je peux reposer une étagère vite fait. Ici, on va devoir agrandir le stockage. Hein, et maintenant, on va vraiment travailler beaucoup avec le stockage. Je pense qu'on va devoir agrandir le stockage. Hein, hop. Ça c'est quoi ça? C'est des bonbons. Des bonbons, des bonbons. Là. Hein? Même si on a un seul. Pareil, j'ai encore de la sauce. La plus forte. C'est celle-là. Alors normalement, si vous avez un produit, c'est bon, après, vous pouvez pas l'enlever tout de suite. Il faut le miel, c'est ça, le miel, le miel, le miel. Je l'avais mis ici, justement. À moins que ça n'ait pas pris en compte. Le miel, il était... Ah ouais, j'ai peut-être pas pris en compte parce qu'il était là tout en... Bah, écoute, le miel, on va le mettre là en bas, là. Et puis, ben bah, voilà, on va pouvoir aller chercher la dernière étagère. Là. À pouvoir poser ici en attendant. Voilà, et j'espère pouvoir vraiment tout positionner dessus. Donc là, on avait dit qu'au niveau des boissons, j'avais mis ça. Il me faut le cola, il me faut le parmesan. Donc là, pareil, des frites. J'aurais peut-être pas assez pour tout, hein, par contre. Pas assez d'étagères pour tout. Là, j'ai encore pas mal de trucs à poser.
Là, je regarde un petit peu. Surtout, ouais, il faut au moins 2 étagères pour le poulet. Là, je peux mettre combien de produits encore? Là, il est plein. C'est ça? Ouais. Pardon. Donc là, alors, je peux mettre 2, 4, 6, 7. Okay. Donc, 15 produits encore. 15 produits. À savoir que j'ai mis ça et ça. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, franchement, il m'aurait manqué une seule étagère. Ok, d'accord. Bon, ben, c'est pas grave. Il manquera une seule étagère. Donc, ça, je vais le mettre ici. Et on va quand même continuer à faire ce qu'on a à faire. Donc, ça, c'est le lait. Le lait, je vais. Ah, ouais, non, mais le lait, je crois que je l'ai posé là parce qu'il y en avait trop. Donc là, on va revenir sur là-bas. Donc là, il faut du cola, du parmesan et du fromage. Alors lui, je peux le mettre là. Et du parmesan et du cola. Donc, cola, ça va être celui-là. Voilà. Et le parmesan, il est plus bas. Il est là. Les deux là. Et déjà, de là, j'ai besoin. Donc là, on va faire le cola ici. Là, le parmesan ici. Ok, voilà. Après, donc le lait, les œufs. Alors le lait, les œufs. Alors le lait, le lait, le lait, j'en ai là. Donc le lait, okay, c'est bon. Là, il me manque les œufs, deux différents. Donc les œufs en 4 et les œufs en 6. En 8, pardon, les 8, ils sont là. Et les 4, ils doivent être ici. Voilà. Donc là, j'ai les deux. Les œufs, hop. Là, ça, là, celui-là, mettre là. Voilà. Donc là, c'est bon. Et le lait, les œufs, et il manque la mozzarella. Mozzarella, la mozza. Elle est un peu plus haute, je crois. Elle est là. Ok, voilà. Là, la mozza, c'est bon. Là, voilà. Donc là, il me manque 8 produits. Donc, il y a peut-être des produits que je peux déjà prendre là. Donc là, les œufs et tout. Il me manque le thon et le beurre. Le thon et le beurre. Le thon et le beurre. Le thon, il est un peu plus haut, je crois. Non. Le thon et le beurre. Le thon, il est là. Et le beurre, il est là. C'est dans ce. Le beurre. Et le thon, allez là. Voilà, le thon et le beurre. Après, on va partir sur les lasagnes. Les deux. Alors les lasagnes, je les ai déjà. Là, on va mettre les lasagnes. Hop, et il y a un truc que j'ai mis ici normalement. Alors le thon, par contre, je vais le mettre avec le thon. Si, voilà. Et là, c'est pas des lasagnes, c'est ça. Voilà. Donc là, il me reste 4 produits. 4 produits, donc il me laisse le fumé, les sushis, les grands et les petits. Donc là on a les grands et les petits, non, c'est que les petits. Là j'ai les petits sushis. On avait dit quoi? Le style de saumon. Hein. Là, ça. Ah, j'aurais peut-être dû prendre un grand. Ça. Ah, ça et là, ok, il faut un grand sushi. Et donc là, on a le petit sushi, bon, il faut le grand sushi. Et hop, voilà. Et il m'en reste un que je peux faire. Donc, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et là, il me manque la viande. Donc les deux viandes, c'est ça? Viande. Et viande. Ok, d'accord. Ah non, il manque juste les deux viandes. Deux viandes, mais j'ai une seule place. Par contre, j'ai pas de place pour les frites, j'ai pas de place pour les trucs, ça c'est chiant. Il faut vraiment. Ah, peut-être je pourrais mettre une étagère ici. C'est pas bête, mais ça pourrait peut-être me sauver de mettre une étagère ici. Alors j'ai déjà une viande. Hein. Alors, on va aller voir si je peux reprendre une étagère et la mettre juste ici. Donc une seule. Acheter, acheter, voilà.
Merci. Et là, on va voir si j'arrive à la poser ici. Allez, elle devrait passer pour vous. Ouais, nickel. Voilà, donc là, elle est passée. Donc sur cette étagère-là, on a deux viandes à mettre déjà. On a cette viande-là. Doit être ici, là, celle-là. On va acheter. Hop. Donc là, et celle-là, et celle-là. Donc là, j'ai regardé, c'est bon. On a tout ce qu'il faut ici. Alors vraiment que je regarde au fur et à mesure. Et là, on va passer au niveau des congélateurs. C'est ce que je vais devoir faire. Donc au niveau des congélateurs, on a le poulet, les pizzas et tout ça. Je vais racheter tout en un et on verra bien. Donc il me faut, on va descendre tout ce qui est surgelé, bien sûr. Alors je sais pas si on peut. Non, c'est freezer. Voilà. Donc il faut un comme ça, 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 un comme ça. Donc là, il me faut 6 places. Là, j'en ai combien là? Pardon. J'en ai, ouais, c'est bon, largement assez. Let's go. Donc là, je devrais avoir assez pour mettre tout. Alors après, je peux les mettre un peu dans le sens que je veux, c'est pas très très grave. Les commandes. Et normalement, si tout va bien, tout ce qui est au sol, je peux le ranger. Si je me trompe pas, tout ce qui est au sol, je vais pouvoir le ranger directement. Là, hop, les ça, voilà. Toi, tu vas faire les pots, voilà. Toi, tu vas faire ça. Si, et il m'en manque un. Ah, purée. Ah bah non, c'est bon, j'ai tout pris. J'ai tout pris, normalement, ça devrait être bon. Alors là, c'est par exemple, c'est le jus là. Les frites. Là en haut, voilà. Ça c'est quoi? Bah ça c'est bon. Le lait. Le lait, j'ai dû le mettre quelque part ici. Bon, alors maintenant, il va falloir que je repère toutes mes étagères pour que je me rappelle où j'ai mis tout le matériel. Hein, parce que je me rappelle plus. Là, hop, hop, hop. Là, le lait. Là. Donc toi, c'est du pain. Le pain, c'était carrément au début. Là. Okay. Les frites, pareil. On reprend les frites ici en haut. Ah, on le rack, il est plein. Donc, on va voir qu'on peut en acheter par exemple que deux. Là, le produit pour laver les mains. Il va ici quelque part. Là. Là. Voilà. Ah, le sucre qui va ici quelque part aussi. Ah, pareil, le rack il est plein. On va laisser. Hein. Ah, par contre, je suis peut-être chaud de faire quoi? On va prendre les sushis. Peut-être chaud de faire un truc, c'est de reprendre un caissier peut-être et d'ouvrir le magasin. On va prendre un caissier. Parce que moi j'en ai un seul. Là on va ouvrir on va ouvrir le magasin comme ça. Au fur et à mesure je peux réapprovisionner. Alors on va embaucher un caissier. Ah, ici. Je peux même encaisser, prendre un deuxième stocker. Pour le moment on va voir comment ça se passe, s'il arrive à gérer ou pas. Donc là j'ai deux caissiers. Si je vois bien, ok j'ai bien deux caissiers. Donc on va pouvoir ouvrir. Il faut que je rentre de l'argent automatiquement. Voilà. Et on va continuer à ranger. Donc le but c'est d'essayer de laisser un minimum par terre. Pour être sûr et certain. Donc ça correspond à c'est le thé. Le thé que j'avais tout à l'heure. Alors c'est le premier thé alors. Celui-là. Ok, let's go. Les bonbons Haribo, c'est pareil, ils sont ici le pain. Là, voilà. Le sucre, pareil, il devait être ici. Parmi. Celui-là. Là, là, les bouteilles d'eau normale. Là, là. Voilà. Et ça, donc ça, je crois que je l'ai mis ici. Voilà. Un peu. Le café rouge. Okay. La farine rouge. Bon, ça, elle est quasi au début. Hein. Là, voilà. Et là, c'est quoi encore de la farine rouge, je pense. Bingo, voilà. Donc ça, je peux pas le mettre, par contre, pour le moment. Ça, je peux pas le mettre. Et je vais aller voir ici. Ici, j'ai plus de carton. Non. C'est bon, tout est OK. Donc là, j'ai plus de carton, j'ai plus rien. Normalement, ça devrait se remplir au fur et à mesure. Il faudra que je regarde au niveau des stockers. Après, par la suite, il y a des étagères comme... Peut-être je vais devoir mettre 4 carrés juste pour le papier toilette, 4 carrés pour le... Ça s'appelle le...
Papier toilette, les pommes de terre. Voilà, je cherche. Donc là, il faut regarder à fur et à mesure. La viande, elle est vide, par exemple. Bon, on va en acheter. Alors, on va essayer d'en acheter par plusieurs. Ici, on va tout mettre. On va aller voir tout en bas. Voilà. Donc là, la viande, par exemple, celle-ci, on va en acheter deux et deux rouges. Bon, après, c'est assez cher, hein, mais bon, j'ai pas le choix. Donc là, on va prendre celui-là, on va mettre là, voilà. Oh, je vais te mettre là. Ah, donc ça fait deux. Ça. Hop. Et ça va aller ici. Voilà, donc là, on est bon. Il me manque les surimi. Les surimi, c'était ici, deux. Et pour 280. Le surimi, je crois qu'il était là. Hein. Ah, ok, d'accord. Et l'autre surimi. Voilà, donc là on est bon. Il faut, ben justement, c'est ça le fichier. Ah non, il est revenu le remettre. Okay. Donc là, cette étagère-là, elle est pleine. Il faut des chocapics. Donc ça, c'est des produits qui coûtent pas trop cher. Donc chocapics, je pourrais en prendre 3. Et let's go. Par de remplir le truc. Je pense que je pourrais peut-être même pas en mettre 3 en réalité. Chocapic qui sont là, hein, je pense que je peux en mettre 3. Bon, ça, c'est des choses qu'on ne pourra pas mettre à derrière. Ah, voilà, je me suis fait rouler. Je vais le poser là, on verra bien. Là, il me faut aussi. Alors, ça, c'est bon. Il faut du Javel et des Kellogg's. Alors, Javel et Kellogg's. Les Kellogg's, c'est ceux-là. 1, 2 et Javel. Par contre, je ne peux en prendre qu'un seul. Alors, voilà. Ah, Javel. On va aller là, voilà. Ah, les deux Kellogg's. Ah non, il devrait pas avoir de problème, il devrait travailler assez rapidement. Ah, il est là, il est plein. Voilà. Donc là, on est bon, là, on est bon. Oh, ben là, j'avais. Ah ouais, il a pris. Faut du papier toilette et de l'huile. Papier toilette. Et de l'huile de tournesol. J'essaie de tout acheter en double, comme ça on sera tranquille. Donc, au fur et à mesure, il va me réapprovisionner. Toi. Ça, pareil, ça, je peux en acheter plus que deux. Hein. Pas que ça, je peux en mettre jusqu'à 6 dans la même étagère. Par contre, le papier toilette, ça va être un seul. Il me faut aussi des pastilles pour nettoyer la vaisselle, on va dire. Voilà. Ah, hop. Javel, il a pris, à mon avis, il est parti le remplir. Alors là, il me faut des chocapics, il me faut des pommes de terre, et il me faut du shampoing. Des pommes de terre et du shampoing. Là, on va regarder ici. Là, shampoing. Donc shampoing 2, ça 2, et j'avais dit quoi? Problème, c'est que j'aurais pas de lumière aussi. Pommes de terre, hein. Ça va être chiant parce que j'ai plein de lumière là. J'aurais pas de lumière dans mon stockage. Faut que j'achète des lumières pour mon stockage. Au minimum deux lumières aussi. Fourniture 1, 2. Ah, donc là on va être bon. Alors la lumière, ça c'est pomme de terre. Pomme de terre là. Voilà. Ah, je suis au pas là. Hop. Un. Y a quelques produits à terre, mais bon. Faut que j'arrive à mettre une lampe là. Voilà. On une lampe qu'on va mettre à peu près ici. Voilà. Et une lampe à mettre à peu près là. Voilà. Au moins, c'est éclairé. Là, c'est bon. On commence à avoir un beau stockage.
Un très 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 beau stockage. Il me manque pas mal de produits, mais on a un beau stockage. Ah, il est en train de remettre. Voilà. Donc là, la journée, elle n'est pas terminée. On va attendre. Et pareil, bah, au fur et à mesure, on va remettre des produits. Hein. Là, comme là, il manque des produits. C'est quoi? Ouais, bah, c'est des pommes de terre. Hein. Pommes de terre. C'est ça, comme j'ai dit, il faudrait peut-être que j'achète juste une étagère pour mettre du papier toilette, une étagère pour mettre les pommes de terre. Pour être sûr et certain que vraiment, on est tout. On est toujours un bon stock. Le Javel, c'est pareil, c'est des grandes étagères, il en faudra au moins deux. Hein. Là, j'ai réussi à tout mettre mon magasin dans une petite étagère comme ça. Grosse partie de mon magasin, donc ça, c'est déjà bien. Le problème, c'est que je dépense de l'argent, mais il faut que j'en gagne. Hein. Comme le café rouge. Café rouge. Oh, il n'y en a plus. Il n'y a plus de trucs, il n'y a plus de boissons. Le café rouge, j'en ai plus. Et je peux plus commander, donc on va attendre. On va vérifier ce qu'il met dans les rayons. On rachètera au fur et à mesure, c'est sûr et certain. Hop, ça paye direct. Ah, il met. Pareil, les surimi, ça remplit. Ah ouais, il y a des cartons, ma foi, il y en a plus qu'il y en a qu'un seul dedans. Fais un aller-retour pour un carton qu'il y en a un. On a 4000. Hop. Et automatiquement, quand elle remet à l'intérieur, ça le referme. Voilà, ça c'est bien. Alors, je me demande si je fais fin de journée, est-ce que c'est bon ou est-ce que faut que j'attends qu'il a fini de réapprovisionner? Là, je pense qu'il va aller jeter le carton. Ok, je vais attendre qu'il a fait ça. Hop, il remet en place. Ah bah non. Ou à moi qui va jusqu'à la poubelle. On voit. Ah, normalement là il est censé aller à la poubelle. Ok d'accord. Donc là on va faire fin de journée. Quatre produits non trouvés par contre. J'ai vraiment eu. Alors bâtonnet de crabe. Ici il y a une baisse de prix. À 8,19 €. Et donc là. Et on va commencer à refaire. Vous voyez qu'il manque pareil du coca. Il manque des boissons. Bon, il va falloir que je regarde de toute façon pour faire mon stockage à fur et à mesure. Puis il va remplir. Faut vraiment faire. Donc là, on va regarder. On va revenir sur les produits. Je sais qu'il manquait par exemple du coca. Il manquait du café. Des choses comme ça. Donc on va regarder ce que je savais déjà. Donc là, on va prendre le coca. Je sais qu'il n'y en avait plus. Ça devrait être bon pour le moment. Congélateur aussi. Alors c'était quoi d'autre qui vont plus loin? Là c'est Coca-Cola, les jus, et là c'est quoi? Ah c'est les lots, ok d'accord. Il me faut des packs d'eau aussi. Là c'est bon, les packs d'eau j'en prends deux. Le Coca, bah, ça devrait être bon, donc déjà on va pouvoir refaire. Hop. Alors l'eau. Je me rappelle où j'ai mis. Et le Coca-Cola, bon ça il était sur l'étagère là. Là on a celui-là, et non, je suis sur. Ah non, j'ai peut-être pas de produit là-bas. Alors je vais regarder ici. Tac, je l'ai pas, tac, je l'ai pas. Non, alors le vrai Coca-Cola, ouais, je l'ai pas, il est ici. Vraiment pas dû acheter la bonne bouteille.
Là, on est bon. Ok, il me faut les jus d'orange, jus de pomme. Alors, jus d'orange, 1, 2, jus de pomme, 1, 2. Pendant ce temps-là, lui, il refait mon magasin. Donc. Alors, jus de pomme ici. Pomme ici. Orange. Bon, voilà. Bouteille d'eau, ça c'est les bleus, et bouteille d'eau bleue, ça sont un peu plus basses, 1, 2, et il faut yaourt. Alors yaourt sur le coup, il y en a une trentaine dedans, donc ça va pas aller vite à les vendre. Et il me faut du Sprite, deux Sprite, on va dire. Un, deux. Alors, je vais pas acheter tout. Deux Sprite. Faut deux parmesan, du lait. Alors, et un, deux, parmesan. Deux, ok. Des œufs. Et, ouais. Ça. 1, 2, et les œufs, par contre, je crois que c'est pas les premiers. Ah, si, si, ça peut être les premiers. Voilà. Là, ça, 1, 2. Là, j'ai tout commandé en double et c'est. Je vais vérifier si c'est bien ces œufs-là. Ouais, voilà. Parmesan, donc là, mozzarella, pardon. Là, les œufs, bah, c'est 1, 1. Bon. Oh, c'était là. Alors le temps que je revois et que j'arrive à me repérer dans mes étagères. Et c'est pareil, il y a des choses. Alors le lait, j'ai du bruit parce que j'en. Dû cliquer sur trois fois en vérité. La mozza, elle est là. Voilà. Faut du beurre, du comté, du miel. Beurre, du comté, du miel. Le beurre, il doit être ici. Beurre. De beurre, j'en prends qu'un seul. Comté, il m'en faut deux. De miel, ça. Et ça, et. Et. Oh, le beurre. Voilà, donc c'est bon. Là, il me faut du surgelé. Faut un lasagne et un comme ça. Les sushis, il en fallait ou pas? Ah, coca, ah, coca, il n'y en a plus. Oh, grand sushi 2. Les Coca-Cola, il faut que j'en reprenne. Grand sushi. Au sushi, bah on va essayer d'en prendre deux. Et Coca-Cola, deux aussi. Coca-Cola. Ça, c'est là. Hop. 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 En souci, c'est à côté. Ah, je pense que c'est deux. À part les petits cartons, c'est deux. Et les gros gros cartons, c'est un seul. Ça, c'est quoi, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai quasi rempli le stockage. Mozzarella, il y en a encore. Je pense qu'il est en train de le mettre ou il y en a plus. Ah non, je crois qu'il a tout pris.
Parmesan, mozzarella, il y en a plus. Ah, par contre, j'ai fait une connerie. J'ai deux fois du parmesan. Donc, c'est peut-être ça le bordel là. C'est peut-être ça que ça va là et ça que ça va aller là. Voilà. Toi, je peux t'enlever. Parce que des fois, j'ai un problème. Je peux le remplacer par quelque chose là. Ok, d'accord. Donc là, c'est bon. Là, j'ai beaucoup de vide. Alors, le pain. Il est plein, on avait de le sucre, il est plein. Et ça, là, il me manque les pâtes, le café, la sauce tomate. Non, les pâtes, le café et le pas de café. Alors, les pâtes, c'est les petits comme ça. 1, 2, café 2. Et en haut, c'était quoi? Ah, c'est fromage là. Je sais pas si ça va être dans des cartons. Café 1. Et toi. Alors, moi qui voulais pas utiliser cette porte au départ, bah, je suis servi. Hein. Là-bas, je voulais vraiment pas l'utiliser. Ça, c'est ça. Eh bien, je peux en prendre trois. Voilà, donc là, c'est bon. Là, c'était quoi, là, par contre? J'ai deux vides ici. Bien, hein? Pas censé s'enlever et j'ai deux vides là. Regardez après, on verra bien s'il y a des produits qui manquent. Quasi plein. Il y a les pâtes là, il faut m'en foutre. Ça en plus, elles partent quand même assez vite. Là, un peu. Là, il travaille bien, lui. Le pauvre, je le fais travailler à fond. Ah, et bah même le riz, hein. Le riz qui est juste là. Voilà. Papier toilette et javel. Papier toilette et javel, je vais en prendre deux. Deux. Papier toilette. J'avais dit ça. Ah, papier toilette. J'avais le pareil. Voilà. Pastille de vaisselle. Deux, tout de suite. Voilà, donc là le javel, bon bah c'est bon, hein. Normalement il l'a dans sa main. Alors est-ce qu'il l'a vidé ou pas complet, je sais pas. Hop, je vais remettre celui-là. Là, on va prendre le papier toilette, je vais remettre aussi parce que je sais que il va me le remplir. Les glaces, je les avais pas mises. Non. Non. Elles sont là les gars. Voilà. Et les pizzas. Voilà. Là c'est bon. Et là c'était le lait. Le lait, lait. C'est parti. J'ai une petite étagère vide. Après on va réagrandir le stockage. Mais franchement, ouais, il est bien plein. Hein. Bien plein. Ok, bon, est-ce qu'il arrive à réapprovisionner tout le magasin? Déjà, quand je regarde, le pain il est plein, ça c'est plein. Alors, ça par contre, le site de noisettes là, ouais, j'en ai là, donc ouais, il est censé venir remplir encore. Ah, j'avais envie d'en prendre un deuxième, histoire qu'ils font à deux, mais je sais pas, j'ai un doute. Pour le moment, allez, on va réouvrir une fois le magasin.
histoire que il y a des clients qui arrivent. Il va refaire à fur et à mesure. Donc là, il y a tout rempli, voyez. Il faudra juste que ben, moi je réapprovisionne à fur et à mesure. Là, c'est plein et là, c'est plein. Let's go. On a déjà les premiers clients. Donc sûrement que dans la prochaine vidéo, on va arrêter de trop agrandir le magasin, mais on va agrandir le stockage. Parce que maintenant, avec cette histoire de, ben, de mon employé qui réapprovisionne mes rayons, je pense que ce serait mieux. Comme ça, au minimum, avoir un bon stockage bien géré, on pourra avoir un bon magasin bien géré. C'est certain. Voilà, comme ça, au moins, il remet tout à fur et à mesure. Et après, à savoir que si je vends beaucoup, je peux racheter beaucoup. Après, par la suite, regarder les objets qui se vendent le plus et en mettre plus sur les étagères. Voilà. Là, on a 2311. Oh, il va couper. Et niveau par exemple des bonbons, j'en ai plus. J'avais quand même plus propre. Comme ça. Pense qu'il t'aime pas beaucoup. De remonter un peu notre financement. Je sais même pas si j'avais pas des factures à payer. Oh maman. L'argent il a pris un sacré coup, hein. J'ai presque payé 700 euros de facture. On va attendre, on va regarder si tout. Un seul là-bas. Les trois quarts du temps, quand il repasse par ici, c'est qu'il va le remettre dans le rayon. S'il passe vers la porte, c'est qu'il va le mettre à la poubelle. On sait à faire à mesure. Hein. T'as vu, là? Il va savoir le faire assez vite. Voilà, il met par un. Il y avait un seul dans le. Voilà, il en manque. Bon, poulet. On va essayer de remonter notre compte, on va dire. Ah, je pense que ouais, c'est peut-être pas vraiment une bonne idée d'avoir pris un gant au niveau de la caisse. Comme je.
Bah, je vais devoir gérer les trucs en même temps, mais je pense que ça peut être faisable de faire les deux. Je pense. On va allumer les lumières. Hop. Ça m'allume dans mon stockage en même temps. On va remettre un peu au niveau des Nutella. Ça t'a tartiné. Où est-ce qu'il est? Ah, c'est beurre de cacahuète. Il est 108 euros, mais je vais en prendre 3 d'un coup. Moi, je suis sûr d'être tranquille pendant quelques jours. Ah, il me faut des bonbons aussi. Et du chocolat. Bonbons et chocolat. Donc, bonbons. Chocolat. Et... Voilà, bonbons et chocolat, c'est bon. Ah, les packs de lait, pareil. Non. Ah, c'est des fins, donc il y a peut-être moyen d'en mettre. Ah, il y a peut-être moyen d'en mettre encore deux derrière là-dessus. Oh, celle-là, elle s'est vidée vite. Hein. Ah, non, là, c'est vrai que c'est deux trous. Ah, on doit être pomme de terre, bon, c'est sûr. Le savon, il va falloir que j'en rachète. Et. Par contre, c'est bizarre parce que j'ai des produits, j'ai l'impression qu'ils disparaissent. Bizarrement, là, la case, elle n'était pas vide. Il faut vraiment que je fasse attention. Enfin... Pour l'instant, j'ai pas de problème dans le magasin, j'ai tout de suite. La farine bleue. Elle en a plus. La farine bleue, il y en a plus. Ah, je peux plus en acheter. Merde. Ah, il est parti le remettre. Ah, bah, c'est bon. Merde, il y en avait plus. Ouais. Attention, pile et tout. Ah, une caisse là. On va tester une ou deux vidéos avec ce caissier là pour voir si vraiment ça va pas. Je reprendrai le. Ben, je vais le licencier. Ou après, il faudrait que je rachète une caisse, mais je sais pas où la mettre. Peut-être essayer de mettre une caisse ici. Hein. Troisième caisse. À où? Deux fois. Et là, il m'a remis du pain. Pareil, j'ai des étagères de vide pour les prochains produits. Ok, donc là, on n'a pas fait de gros bénéfices. Parce que j'ai racheté à fur et à mesure, vous voyez. On est quand même en bénéfice de 210. Alors, gâteau bon papa, pâte spaghetti. Donc, le gâteau bon papa, il y a un problème là-dessus. Là, 1,65. Les spaghetti, c'est ça. Il y a 7,17. Par contre, il m'en manque deux où j'ai pas le temps de voir. On va faire un check ici. On va regarder. Donc, ça, je l'ai modifié. Ça, je l'ai modifié. Ok, il y a la sauce là, et il me semblait qu'il y en avait 4. On va bien regarder. Ah,
Ça, je l'ai fait, ok. Ça, je l'ai fait. Ah, et le shampoing est augmenté. Shampoing, il est à 6,45. Et ah, c'était ça. Un des deux. 2,47. Voilà. Donc là, il continue à faire le rapprochement. Regardez. Même quand vous lancez pas, hop, il va récupérer. Tac, il va commencer à refaire. Il va vider mon stock petit à petit. Hein. C'est sûr et certain, il va vider mon stock. Donc regardez, comme là, il n'y a plus d'huile. Le sucre, pareil. Ouh. Le sucre, il est censé être là. Ouais, bah non, c'est pas l'huile, c'est le sucre. Là, il n'y a plus de sucre, par exemple. Donc, il va falloir que j'en rachète. Bon, allez, hop. Moi, je fais. Alors, le sucre. Ah. Hein. C'est quoi que j'ai en dessous? Hop, j'arrive plus à passer à la porte. Ah, je suis passé. Voilà. Bah, je crois que le poulet, de toute façon, je peux rentrer là, non? Il n'est pas vide. Là. Et là, c'est quoi que j'ai stocké? Ah, c'était la farine bleue. La farine bleue, c'est pareil, là. On prend que deux. Faudra vraiment que je fasse attention. Je les remets en stock. Là, il y a ce qu'il faut. Faudra que je regarde ici. Pour acheter dans la prochaine vidéo, on va faire ça. Donc là, lui, il continue ou il a terminé? Là, il continue. Il est en train de faire le tour. Je parle. J'allais dire, il joue à cache-cache. Non, 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 il va continuer. Quoi qu'il va mettre là-bas? Ah, il va avoir la poubelle. C'est bien quand il va au bord là, ça va vite. La farine rouge, donc le sucre là. Ah, je peux pas l'attendre. Voilà. Le lait. Le pain, je crois que le pain maintenant. Ah. Ça c'est quoi? Les lasagnes. Les lasagnes, je les ai mis ici. Les lasagnes, je vais les mettre là. Ça, c'est quoi ça? C'est le lait. Les packs de lait. À mon avis, ça va être ça alors qu'elles disparaissent. Ah non, ils sont là. Il me manquera des pâtes et de la farine rouge vite fait pour la prochaine vidéo. Donc, des pâtes comme ça. Hop, hop. Et la farine rouge. Là. Comme ça va être des cartons assez grands, je peux en prendre que par deux. En bas. Et là, pareil pour. Là, pareil. Voilà, donc là c'est bon. Là on est go, là on est go. Bon, on remplira cette étagère-là dans la prochaine vidéo. Mais bon, au moins on a un stock qui marche bien et bien géré, on va dire. J'ai de l'argent, que je gagne de l'argent. On va juste regarder par rapport à ce question. Donc voilà, on va arrêter la vidéo là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager le boulot. Je vous dis ciao, ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là. Donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.